Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour, très heureux de vous retrouver au cœur du forum Lyon Pôle Bourse des valeurs régionales. Nous accueillons à présent, dans le cadre de Bourse et valeurs, René Colombel, le président du directoire de Precia. Bonjour. Enchanté, bonjour. Et voilà, société ardéchoise, bien connue de longue date. On va rappeler, donc, vous êtes dans l'univers du pesage. Tout à fait. Au sens large. Complètement. Alors effectivement, de longue date, puisque la société familiale, qui est toujours détenue d'ailleurs par la même famille en majorité, a été créée en 1887. Donc on remonte de quelques dizaines d'années, on va dire, 19e siècle. Depuis, la société a connu un parcours effectivement assez remarquable, puisqu'on est aujourd'hui 1300 personnes à partir d'un artisan qui en fait s'occupait à l'origine de l'entretien de matériel de pesage. Maintenant, Precia est devenue une vraie société industrielle installée dans 21 pays et qui réalise aujourd'hui 136 millions de chiffres d'affaires avec 1300 personnes. Voilà, on dit Precia ou Precia Molène ? Alors Precia Molène, c'est la marque, le nom de la société, c'est Precia SA, société anonyme. Voilà. Molène parce qu'il y a eu... Alors Molène parce que nous avons fait une acquisition effectivement en 1993, premier pas à l'international pour Precia à l'époque, qui en fait s'est traduite par l'acquisition de cette société en Hollande qui possédait déjà deux filiales, une en Angleterre et une en Belgique. Voilà, aujourd'hui, donc, on va rappeler donc, le dernier exercice clos avant le Covid. Oui, alors fin 2019. Chiffre d'affaires, résultats, effectifs. Alors, résultat, chiffre d'affaires 2019, nous étions à 136 millions d'euros de chiffre d'affaires en consolidé, avec un résultat d'exploitation de 8,5%, donc un bon niveau de résultat qui était en ligne avec nos années précédentes. Les six premiers mois de l'année 2020, on a eu un petit événement que évidemment a chamboulé beaucoup l'activité de l'économie au sens général, a impacté effectivement Precia Molène, mais dans une moindre mesure puisque nous avons réussi à amortir le choc. Et en fait, à fin juin 2020, nous réalisons un chiffre d'affaires qui est inférieur seulement, je dirais, de 7,8% par rapport à la même période l'année dernière. Vous avez devancé ma question, j'allais vous demander l'impact, les conséquences de la crise sanitaire pour vous. Alors, d'approvisionnement, de livraison. Oui, elles ont été réelles, comme tout le monde, on a été impacté évidemment par cette crise sanitaire. Comme tout le monde, on a dû effectivement très rapidement au mois de mars, en France par exemple, mettre 350 personnes en télétravail, ce qui n'a pas été simple puisqu'on ne pratiquait pas du tout le télétravail auparavant, mais voilà, tout le monde s'y est mis, le système informatique a été à la hauteur et on a pu effectivement travailler à distance. On a dû aussi fermer nos usines françaises pendant une certaine période, mais on a repris très rapidement, en fait 15 jours après, on a recommencé à produire tout début avril, ce qui était nécessaire parce que nous avions un gros carnet de commandes et il fallait effectivement qu'on puisse reprendre cette production pour pouvoir livrer nos clients et sortir un exercice qui soit quand même, malgré l'impact de la crise, qui soit quand même raisonnable en termes de chiffre d'affaires et de résultats. Toujours des investissements, de la recherche. Tout à fait. Nous n'avons pas limité ou je dirais restreint nos investissements pour le moment. Nous avons toujours une politique d'investissement assez dynamique ces dernières années d'ailleurs. Autant en équipement pour nos usines, puisqu'on a racheté récemment une nouvelle usine en Inde. On a aussi ouvert un nouvel atelier de chaudronnerie dans nos deux usines principales à Privas. On continue à faire des investissements en France et à l'étranger. On a d'autres projets. On n'a pas du tout eu recours, par exemple, aux prêts garantis par l'État. On a continué à payer nos fournisseurs normalement. On n'a pas décalé non plus les paiements de nos factures URSSAF, etc. Donc on a réussi, malgré la situation, à continuer à opérer presque normalement. Une présence internationale, vous l'avez évoqué, et cette acquisition en Inde le prouve. On parle beaucoup aussi de réindustrialisation, de relocalisation. Oui. Vous n'êtes jamais parti de l'Ardèche. Non, on n'est jamais parti de l'Ardèche. Alors effectivement, on a eu pendant un moment des fournitures qui nous venaient de Chine sur certains produits, on va dire d'entrée de gamme. Et même cela, on est en train de les réintégrer complètement en France. Grâce à des actions de recherche et développement, de développement de nouveaux produits, on arrive à être compétitif même sur des produits d'entrée de gamme aujourd'hui, donc avec des productions françaises. Donc voilà, on a cette volonté effectivement de réintégrer des productions faites
à l'étranger, notamment des pays low cost. Et on a aussi quand même une politique qui est une politique régionale au niveau mondial, c'est-à-dire qu'on a des usines maintenant qui sont disséminées sur les 5 continents, ce qui nous permet d'être compétitifs dans chacun de ces continents. Voilà. Donc l'avenir, l'industrie a encore un bel avenir en France ? Ah, je pense tout à fait, oui. Il y a de belles entreprises en France qui ne demandent qu'à se développer. Et je pense qu'il y a encore beaucoup d'opportunités pour les sociétés françaises. Tout à fait. Très bien. Merci sur ces belles perspectives, René Colombel, d'être venu dans Bourse et Valeurs à l'occasion du forum Lyon-Pôle Bourse des Valeurs Régionales. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.